Les recherches sur l'engagisme indien se sont focalisées à La Réunion sur les travailleurs recrutés dans le sud de l'Inde, en particulier dans l'immense présidence de Madras, à partir des comptoirs français de Yanaon, Pondichéry, Karikal et du port britannique de Madras après la Convention de 1860. En 1978, Firmin Lakhpatia est le premier à s'intéresser aux engagés issus du port de Calcutta dans son ouvrage « Bohadur, des rives du Gange à la rivière des Roches ». Il raconte sous forme romanesque l'histoire de sa supposée arrière-grand-mère partie rejoindre son neveu à La Réunion, ce en utilisant des archives familiales. Elle est donc différente des autres engagés car elle est bengalie et elle vient d'un milieu favorisé. Environ 10 000 personnes recrutées pour La Réunion à partir du port de Calcutta, c'est le titre de ce premier panneau de Michel. La Convention franco-britannique de 1860 permet le recrutement d'Indiens dans le nord-est de l'Inde, d'où viennent la majorité des travailleurs destinés aux colonies britanniques. Regroupés dans des dépôts du port de Calcutta, ils sont ensuite transportés à La Réunion, où très vite les colons refusent de les garder, argumentant d'un état sanitaire déplorable. Jusqu'ici, les documents qui permettaient de les connaître relevaient d'archives médicales, de journaux de voyage ou de comptes rendus de visites au lazaret ou dans les dépôts de la Réunion destinés à estimer leur attitude au travail. Alors qu'ils ont subi un contrôle sanitaire au départ qui les a déclarés aptes au travail dans les plantations, à l'arrivée, beaucoup d'entre eux sont rejetés. Ainsi, en 1862, sur un groupe de 2073 immigrants expédiés par la maison Camin et Lamourou, 535 sont rebutés, soit le quart du groupe. Beaucoup de ces navires débarquent des gens atteints du choléra, qui nécessitent de longues et coûteuses quarantaines au lazaret. Certains convois ne sont même pas réclamés par les propriétaires qui les ont fait venir. Au total, 23 navires sont arrivés de Calcutta de 1860 à 1862, avec leurs recrues du Bihar et du Bengale. Des documents ont été récemment redécouverts et sont en cours de numérisation, titre de la suite de sa communication. Suite aux journées d'études sur l'engagisme tenues à Saint-Denis de La Réunion en 2018, dont d'ailleurs plusieurs d'entre vous étaient présents, qui ont montré combien la disparition des registres de matricule des engagés freinait la connaissance des recherches plus précises ont été engagées dans toutes les archives, y compris communales et surtout privées, pour collecter ce qui restait encore enfoui. Et de beaux documents, dit-elle, ont été retrouvés, qui sont au fur et à mesure déposés aux archives départementales de La Réunion. Ils sont également numérisés et mis en ligne sur leur site, en particulier des registres de propriété de Sainte-Rose, qui ont permis à Julien Vess, qui est le directeur des archives départementales de La Réunion, de montrer le système de numérotation utilisé au cours du 19e pour répertorier les engagés, en particulier qu'à chaque vague, on va repartir du numéro 1 pour les enregistrer. Ont été déposés aux archives des registres en très mauvais état, mais qui pour la première fois informe sur des Calcutta et des Bengalis arrivés dans l'île à partir de 1860 sans que la différence entre les deux groupes ne soit précisée. Elle semblait aller de soi. Il s'agit de quelques registres tenus par les syndics communaux. Ces documents permettent de suivre leur parcours sur le sol réunionnais à travers les engagements, mais également les réengagements successifs jusqu'au décès, rarement jusqu'à leur retour. En particulier, ces registres permettent d'approcher différemment les parcours des femmes seules qui arrivent et qui sont probablement des veuves et leur stratégie pour assurer leur survie et celle de leurs enfants. Elle nous parle donc d'un navire, le Saint-Bernard, qui est le premier navire qui arrive en 1860 sous le régime de la Convention de Calcutta. Il part le 25 décembre 1860 avec 441 personnes à bord, comptant pour 414 adultes, dont 314 hommes, 73 femmes, 32 garçons et 22 filles. Il arrive le 26 janvier 1861 avec 20 passagers en moins, morts pendant la traversée, soit un taux de mortalité de 4,8%. Le nombre de femmes sur ce navire est particulièrement élevé, 21,5%, et respecte plus ou moins le ratio de la Convention qui demande à ce que chaque navire transporte au minimum un quart de femmes. L'objectif étant d'atteindre la moitié un an plus tard.
Sur l'ensemble de la période de langagisme, seuls 10 à 15% de femmes ont été amenées dans l'île, en comptant les bébés nés sur les bateaux. Ce faible nombre de femmes est à l'origine de bien des drames dans les camps qui peuplent les chroniques judiciaires, mais ont également permis le grand brassage de la population d'origine indienne de l'île. Elle titre son troisième point, un manque chronique de femmes. Dans la mesure où l'engagisme vers la Réunion est d'abord une migration de jeunes hommes et que la colonie se refuse à organiser la venue des familles, il y a eu une tentative en 1852 d'accorder 50 francs par femme supplémentaire, mais cette prime a été supprimée dès 1855, faute de crédit. Contrairement à l'île Maurice, où la majorité de celles qui arrivent après 1846 ne sont pas sous contrat, à La Réunion, même celles qui sont mariées et dont l'époux reprend les termes du contrat restent rattachées à l'engagiste. Ce manque de femmes est acté très tôt. Les engagées qui restent dans les années 1830 épousent souvent des femmes esclaves. Alors maintenant, plusieurs études de cas d'Assi Mouden qui est arrivée sur le Saint-Bernard. D'après le registre, elle est dite de caste Calcutta. Elle a sur le front une ligne verticale s'étendant sur le nez. Elle a 51 ans quand elle arrive, seule, probablement vu son âge, c'est une veuve, elle est sous contrat. Et quelques années plus tard, son engagement est pour tenir le ménage de l'engagé Kalisharam, c'est-à-dire de s'occuper de sa maison. Quand elle meurt le 8 octobre 1882, à l'âge de 70 ans, la déclaration à l'état civil dit qu'elle est sans profession, née de parents inconnus. Sa mort est déclarée par ses deux voisins, Kalisharam, 54 ans, et Sarimutu, 56 ans. Elle nous parle de Djeban, du Tchernaïa, du 23 novembre 1861. Sur ce navire, il y a 462 passagers, 74 femmes et 10 filles pour 364 hommes et 14 garçons. Djeban est âgée de 28 ans. Elle arrive avec ses deux filles, Sagina, 2 ans, et Rajaban, 9 ans. Elle s'installe dans le sud-est de l'île, à Saint-Philippe, où elle épouse un dénommé Kalou qui lui donne 4 autres filles. La famille reste chez l'engagiste Montbalfontaine. Un autre exemple, Martha Bekerate, 25 ans en 1861. Elle débarque du Brandon avec sa fille de 4 ans, Garwan. D'autres femmes voyagent en même temps, soit seules, soit avec leurs enfants, comme Poulia Boudou, 35 ans, qui est tatouée sur le visage et qui est accompagnée de ses deux fils, Iraman, 8 ans, Boulaki, 6 ans, et de sa fille Batia, 1 an. Sur les 419 immigrants du Brandon, il y a 28% de femmes, dont beaucoup sont seules ou seules avec des enfants, ce qui interpelle le choix de ces femmes de s'embarquer ainsi vers l'inconnu. L'amiral Kazi transporte plutôt des Bengalis en mai 1862, comme à la Syrie Patassia ou Tetri, qui meurt 2 ans plus tard au travail. Elle intitule cet autre point « La Réunion, un nouveau départ ». Prenons le cas de Rupia F. Mohan, qui arrive sur la Matilda Wattenbach et est débarquée au Lazaret le 1er avril pour une quarantaine de 10 jours, qui va se prolonger jusqu'en mai. Sur 491 immigrants, 30 sont morts pendant le voyage. Rupia, de caste Calcutta, a 30 ans, ses filles Sanya, 8 ans, et Dipni, 4 ans. Elle est hindoue et engagée depuis l'Inde pour 10 francs la première année et 13,50 francs les années suivantes. Son contrat précise que c'est « pour tout faire ». Elle a un premier engagiste chez lequel elle travaille 8 ans, puis elle s'engage ailleurs pour un salaire moindre de 7,50 francs. En 1876, elle s'engage au service d'un Indien, Baladje Mohamed Bakassel, qui est libre pour 5 francs. Rupia est hindoue, mais son gendre musulman. Son salaire augmente à 7 francs. Elle est servante, nourrie, logée avec des soins médicaux et des journées libres pour le Pongol. Mais elle renonce à la prime de réengagement en raison des avantages, je cite, que lui procure sa parenté avec son gendre. On la retrouve ensuite travaillant chez d'autres personnes. Voilà une femme arrivée seule, avec qui plus est des filles. C'est probablement une veuve qui a trouvé là le moyen de fuir une situation devenue difficile en Inde. Hindoue, elle accepte de marier sa fille avec un musulman libre qui lui assure une situation sociale tandis qu'elle-même continue à travailler en restant indépendante. Une intégration par le travail donc et le mariage. Beaucoup de femmes sont ainsi utilisées pour tenir le ménage d'un autre Indien engagé, mais leur contrat est toujours signé avec le propriétaire de l'établissement. Ce qui ramène aux pratiques dénoncées par le rapport Millot en 1877,
sur l'utilisation des femmes seules par les engagistes afin de garder leurs travailleurs et de les amener à se réengager de façon anticipée. L'étude de ces registres de matricules communaux ou syndicaux pour la population d'origine Calcutta ou Bengali reste à faire. Michel Marimoutou conclut en disant que cette courte présentation avait pour objectif de montrer l'importance des données qu'il renferme.